<clears throat> They're doing it. Viens, viens, mais non, viens. Viens. Ça va. Viens, viens, ça va. Dis-moi. Est-ce que ça a blessé la guérie, Ça va. Ça va. Comment tu vas Je t'avais dit que la vie de Dieu n'est pas bonne. Tu n'as pas voulu me croire. Voilà. Tu n'abandonnes pas les voies droits du Seigneur. Tu as désobéi. Maintenant, tu es boîte. Ou c'est la femme d'autrui qui allait te couper la pâte d'abord. Regarde comment, regarde comment ces poils quittent. Ça, ce pas normal. As mangé. Elle a mangé quoi Regarde comment tu es devenue ma fille. Merci Jésus. Elle continue encore à sortir, elle saute toujours la barrière. Hein? Elle ne peut même plus sauter comme maintenant. Elle n'a plus la force, elle n'a plus le moyen. On lui a coupé le pied. Ouais. Quand les gens, le péché, ce pas bien, ils croient que c'est le jeu. Voilà. Je suis qu'elle sortait avec un chat mari au quartier ici. Et la nouvelle est arrivée aux oreilles. Regardez le chat de la maman qui est en face. Parce que quand elle est sur la balle, elle guette toujours le chat là. Donc je suis que c'est la femme du chat là qui l'a blessée comme ça. Elle a pris. Pourtant elle était ici là, vraiment, elle craignait le Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bonjour à tout le monde. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà. On est un peu en retard, hein? Mireille? Nous attendons les autres, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus, pendant que tu viens, pendant que tu partages la vidéo et surtout pendant que tu te connectes. C'est comment Viens. Maro? Maintenant, tu comprends que le commandement du Seigneur, c'est pour ton bien. Regarde, tu es défendu, tu défendu pour toujours. Et ça, c'est à vie maintenant. Là, c'est à vie. Hein. Elle ne va plus jamais marcher comme avant. C'est ça. Merci. Hein. Oh Jésus, merci. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Prends contrôle ce matin et glorifie ton Saint-Nom. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés, pour ceux qui se connecteront après, que ta grande grâce repose sur chacun de nous et donne-nous la grâce d'avancer avec toi. Ouvre-nous l'esprit pour comprendre les écritures, afin que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, que le Saint te bénisse au nom souverain de Jésus. Que sa grâce repose sur toi et que sa faveur soit ton partage. Connectons-nous massivement et partageons la vidéo dans nos différents groupes, s'il vous plaît. J'ai remarqué que nous ne partageons plus de vidéos comme avant. Avant, on pouvait partager au moins mille fois cette vidéo, mais aujourd'hui, on atteint même pas 500. Voyez. Donc, il faut savoir que lorsque vous venez vous connecter, c'est une mission que vous avez à accomplir. Et cette mission, c'est de répandre l'évangile. Une personne ne peut pas faire tout ça, seule. Donc voilà un peu. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, mon direct ne sera pas long, comme d'habitude. Je suis. Euh, on est un peu pris. Je n'ai pas seulement voulu vous sévrer ce matin. Hmm. Donc nous parlions du ministère prophétique. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire à toutes nos églises que vu la résurgence des cas du COVID-19 au Cameroun et vu la nouvelle variante qui est un peu sournoise par rapport aux vagues passées dans toutes les paroisses Réma de la congrégation baptiste camerounaise le port du masque redevient obligatoire pour accéder au culte au lieu de culte et j'exhorte tous mes collaborateurs à respecter les mesures barrières les mesures de distanciation des chaises à l'église donc à partir de ce vendredi soir en venant s'il vous plaît n'oubliez pas votre masque n'oubliez pas le masque donc euh, je vois ici un commentaire, Facebook m'interdit de partager en direct. Donc, nous devons euh, respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Tandis le Covid ou la Covid, bon. Et la distanciation des chaises doit être respectée. Le port des masques doit aussi être respecté. Voilà, donc, c'est un peu cela. Et soyons prudents et soyons vigilants. Dieu veille sur nous, mais soyons vigilants, s'il vous plaît. Donc, faisons-le pour notre protection et pour celle des brebis, des ouailles que le Seigneur nous a confiées. Donc, chacun venant vienne avec son masque. Mettez ton masque avant d'entrer. Si vous n'avez pas de masque, on va vous installer à l'air libre, dehors. De ceux qui ont le masque vont accéder. Et les chaises. La distanciation d'un mètre au moins doit être respectée entre les chaises. Donc, c'est une recommandation formelle que je donne euh, à tous les leaders responsables. Et les impositions des mains sont interrompues jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire, je ne veux plus imposer les mains aux malades jusqu'à nouvel ordre. Nous allons prier, chacun avec sa bouteille d'huile de faveur. Donc, comme nous avions commencé. Avec la consécration des jeunes enfants par l'imposition des mains. Euh, nous n'allons pas finir ce service. J'ai pu imposer les mains aux jeunes, mais chaque personne viendra, chaque famille avec sa bouteille d'huile de faveur. Les enfants viendront et chacun se lèvera et avec l'huile de faveur, chacun va se oindre lui-même après que j'ai fait déclaration prophétique. Donc voilà les mesures qui doivent être prises. Et je voudrais dire à tous mes collaborateurs, à tous ceux qui sont autour de moi, de veiller, de veiller à ce que le masque puisse être respecté. Chacun doit avoir le masque en commençant par les leaders eux-mêmes. Chacun doit avoir son masque. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était pour les mesures barrières contre la, la COVID-19. C'est une réalité, une triste réalité qui est là. Et vous savez que euh, je voudrais dire quelque chose peut-être qui ne pourrait pas être ce que beaucoup ont pensé. Voilà. Et à l'entrée de l'église, il y aura toujours le gel hydroélectronique. Non, ça va, c'est faux. C'est pour amuser la galerie. <laughs> le gel hydroalcoolique. <laughs> et voilà. Et Dieu vous bénisse. Ou bien de l'eau et du savon à l'entrée de l'église pour pouvoir laver les mains pour ceux qui seront là. Faisons-le, s'il vous plaît. Et préservons nos vies. Et j'exhorte les parents à amener leurs enfants, à, à veiller sur la sécurité de leurs enfants. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Pour le reste, servons le Seigneur avec joie. Jésus a dit, soyez simples comme des serpents et prudents. Non, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Vous comprenez Donc, euh, la foi, la mauvaise foi que nous avons parfois eue, c'est celle qui dit non, Dieu me protège. Mais il y en a quand même qui meurent. Donc, la protection de Dieu s'arrête où tu ne peux plus te protéger toi-même. C'est là que Dieu commence à protéger l'homme. Dieu ne vous protégera jamais où vous avez les moyens de vous protéger. Il vous protège où vous avez épuisé vos capacités. C'est là la réalité. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Dans le partage de chacun de nous au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà mes bien-aimés euh, pour ce qui était de l'annonce sur la COVID. Et j'ai expliqué, je voulais dire que, partager avec vous, que vous savez au Cameroun, nous avons perdu en un an plus de 200 pasteurs. Plus de 200 pasteurs. Dans ce pays, plus de 200 pasteurs sont morts en un an. Et je suis convaincu que. Beaucoup d'entre eux sont morts du Covid-19. Parce que nous, nous sommes des gens du peuple. Toujours dans le peuple, toujours en train d'imposer les mains aux gens. Parfois, tu imposes même la main à quelqu'un, il respire. Tu sens l'odeur qui sort de son oesophage entrer dans tes narines. Ça, c'est les choses qu'on ne dit pas souvent, mais qui sont vraies. C'est réel. Je faisais la remarque à un de mes frères que j'ai vu que quand tu imposes les mains aux gens, après, tu prends ton mouchoir et tu nettoies ta face avec. Et c'est sérieux. C'est un point sérieux. Et comme il y a des chrétiens qui pensent que tant qu'on ne leur impose pas la main, on n'a rien fait, euh, parfois les hommes de Dieu sont obligés d'imposer les mains. Mais je suspends l'imposition des mains. D'ailleurs, même Dieu ne m'a pas envoyé imposer les mains aux gens. L'apôtre Paul a dit, n'impose les mains à peur. Euh, soyons prudents, soyons très prudents. Donc, même si le jugement de Dieu a sévi à travers la mort des hommes de Dieu au Cameroun, je vais m'ouchoir, pardon. Je pense que Dieu est aussi passé par la Covid-19 pour juger plusieurs. Non, c'est le poil du chat qui. Excusez-moi. Voilà, et ceux qui vont prendre le bus. Oui, ceux qui prennent les bus, ayez vos masques, tout simplement. Ayez les masques. Donc, toi, tu viens, tu me donnes ça comme ça avec tes mains. Tu as lavé les mains. Tu as lavé ça quand Mais tu as tenu le poignet de la porte et tout ça. Hum? C'est ce que vous oubliez. Les, les poignets des portes, c'est les endroits les plus sales. Dans les restaurants, les, les menus qu'on nous donne là, c est, c est, ce sont les zones de concentration des microbes en réalité. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Comme les téléphones et bien d'autres choses. Donc, que le Seigneur te bénisse. On va, on va travailler comme ça. Donc, je disais que même si le jugement de Dieu est intervenu, en tout cas, je pense que Dieu a utilisé aussi le Covid pour juger plusieurs. Donc, c'est ça, ce que je crois qui se soit passé. Maintenant, pour notre page Facebook, il est important pour nous, il est important pour nous de... Pouvoir. Euh, euh, les gens demandent encore que dans les bus. J'ai dit que dans les bus on met les masques. Mettons les masques, s'il vous plaît. Mettons les masques. Mm -hmm. Mettons les masques. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon, maintenant, quelqu'un écrit. C'est le manque de foi qui dérange certains, car avec Dieu il y a il n'y a pas de barrière. Bon, c'est vrai que je ne comprends pas. Je vais essayer euh, d'expliquer ce que moi je comprends. Ça veut dire que le frère, c'est qui C'est le frère... Frais... C'est la soeur Christelle, dit. D'accord, si je comprends bien, euh, la soeur Christelle dit, euh, dit, si ce n'est pas ça, elle va me corriger. Elle dit que, en fait, c'est le manque de foi qui fait que euh, on respecte les mesures barrières. Parce que si ce n'était pas ça, c'est qu'on ne serait pas malade. C'est tellement parce qu'on est enfant de Dieu. Euh, je pense que ce n'est pas exactement ça. La foi ne résout pas tout. Et il faut déjà comprendre ce que c'est que la foi. L'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire quoi Ça veut tout simplement dire que il dit que la, la, en, en grec, il dit Odepisti La foi vient de ce qu'on entend. Et il faut dire que akos, veut dire entendre dans le spirituel, c'est ce que Dieu t'a dit dans le spirituel. C'est que Dieu te dit, c'est ça qu'on appelle le rema. Le rema, c'est la parole parlée de Dieu pour toi maintenant. De le WhatsApp. Le WhatsApp, s'il vous plaît. Je vais donner mon WhatsApp tout à l'heure. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et à Koes, en grec, veut dire entendre Dieu te dire maintenant. Et dit ce qu'on entend vient ta ta Christo. Ça veut dire que des rema de Jésus. Or oh, le rema, c'est la recommandation que Dieu te donne à toi de manière spécifique maintenant. Vous comprenez Par exemple, Dieu te dit, ok, toi ne mets pas le masque, tout le monde met le masque là, toi ne mets pas le masque et tu vas pas mourir. Mais tant que Dieu ne t'a pas dit cela, il faut faire attention. La foi doit être basée sur une promesse de Dieu. Et la foi n'annule pas la prudence. Sinon Jésus ne dirait pas, soyez simple comme des colombes et prudent comme des serpents. puisque la Bible elle-même dit dans Somme 34, verset 8, « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Donc, mais si l'ange de Dieu campe déjà autour de moi, comment Jésus peut-il me demander d'être prudent La prudence ici intervient dans la zone de mon humanité. Ça veut dire quoi Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que si je mange la sauce trop pimentée, je n'aurai pas la diarrhée, par exemple. Mais si tu as quelle foi, tu auras la diarrhée. C'est la réalité. Prends le feu, exerce-toi. C'est un exercice que je vous donne. Prends les brasiers ou bien prends ta main, allumez le feu à la maison, vous êtes maintenant. Faites l'expérience. Vous avez foi. La Bible dit que s'il si, travaille les eaux, elles ne le submergeront, elles ne te submergeront point. Et le feu, il ne te consumera point. Allume donc le feu dans ta cuisine maintenant. Faisons une leçon pratique. Tu pries au nom de Jésus. Tu commandes, tu anéantis la puissance du feu. Tu commandes que ce feu devient frais comme le ventilateur, la clim. Et tu proclames la parole de foi. Tu parles un peu en langue. Ça veut dire diluer un peu, ça veut le parler en langue. Tu tends ta main maintenant. Tu mets ça dans le feu là. Et tu me rappelles en direct. <laughs> Faisons l'expérience. Ceux qui veulent faire ils ne veulent pas faire. Toi, si tu veux faire, il faut faire l'expérience. Mets toute ta foi. Exerce la foi. Invoque le nom de Jésus. Et rappelle même ce que Dieu a fait à Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient dans la fournaise. Rien ne leur est arrivé. Alors, à partir de ce moment-là, ah, Ok, d'accord, merci. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle allait me corriger. J'ai dit ça par rapport à ceux qui croient que c'est lorsqu'on impose les mains que Dieu agit. Quand il y a la foi... Même au téléphone, Dieu a dit oui, c'est vrai. Mmh? Donc, désolé d'avoir mal interprété, mais quand même, ça me donne, ça nous a quand même ouvert, grâce à ce message, un pan de réflexion importante. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi. Ils pensent qu'ils ont la foi. Donc, quand tu as prié sur le feu là, tu vois, ou bien tu peux faire bouillir l'eau. Parce que le feu, moi, je n'aime pas, il va, tu te mets trop en danger, tu vois. Tu prends le, de l'eau bouillante. Tu bouges ça bien. Tu as nianti. L'effet de chauffage. Et tu plonges la main au nom de Jésus. Tu sors ta main. Et tu me montres. Tu fais la photo. Tiens, on voit ça rapidement ici. Nous allons voir. Pourquoi? Parce que ce que vous appelez la foi, en réalité, n'est pas la foi. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'as rien entendu, n'ose pas. Il dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que c'est traduit en français. Nous sommes des francophones. Et le français est tellement pauvre qu'à côté du grec, on se demande même si c'est une langue. C'est ça la réalité. Oh, il dit la foi bien ce qu'on entend. Le verbe entendre ici à en grec veut dire entendre dans l'invisible. C'est ce qui se dit dans l'invisible, dans le règne spirituel. Un peu comme un prophète qui peut te regarder, il entend Dieu, lui donne des informations sur toi. C'est cette capacité-là. C'est de ça qu'il est question ici. À ce n'est pas les oreilles physiques, c'est les oreilles spirituelles. Les oreilles de l'esprit. Et de ce qu'on entend vient de la, du rema de Christ. Or, oh, le rema c'est la parole dite de Dieu. C'est que Dieu te dit. C'est là-bas que la foi vient. La foi ne vient pas par toi-même. Sinon, elle sera motivée par tes émotions. Et elle, elle va te conduire à la mort. Donc, ce qui fait la foi, c'est ce que tu entends. Mais ce que tu entends, c'est ce que Dieu te dit. C'est sur la base de ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu te dit qui soutient ta foi et qui fait que les impossibilités deviennent possibles. Parce qu'il y a la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu qui soutient ta foi. Donc c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés aujourd'hui. Non, vraiment, j'ai eu foi, mais rien ne s'est passé. Voilà, que Dieu te bénisse. On a l'atmosphère de miracle à Yaoundé tout à l'heure, à partir de 17h. dont viens avec ta bouteille d'eau pour le grand service. Donc, nous parlons du ministère des, proph des prophètes. Et j'ai parlé de la nuance entre celui qui a le don de la prophétie et celui qui euh, a le don d'interprétation des langues. On a vu que c'était deux personnes, euh, deux dons différents. Et on a aussi vu la différence. Il y a des gens qui disent que non. L'apôtre Paul a dit que tous parlaient-ils en langue, ça veut dire que tous les enfants de Dieu ne sont pas appelés à parler en langue. Et qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Et j'ai expliqué que c'est faux, parce que bibliquement, il n'y a aucun modèle de quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit qui n'a pas parlé en langue. Tous les passages de la Bible, en commençant par Acte chapitre 2, où les apôtres ont parlé en langue, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, le signe visible externe, c'était le parler en langue. Dans le chapitre 2. Après cela, vous allez dans acte chapitre 5, lorsque l'apôtre Pierre entre dans la maison du centurion Corneille et qu'il prie. La Bible dit que l'Esprit de Christ est descendu sur eux. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'il les entendait parler en langue. Maintenant, vous allez dans acte chapitre 19, lorsque l'apôtre Paul croise les disciples de Jean-Baptiste et qu'il prie pour eux pour le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se mirent aussi à parler en langue. Donc, il n'y a aucun modèle de personne dans la Bible qui, ayant été baptisé dans le Saint-Esprit, ne parlait pas en langue. Donc, les gens dans la Bible qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit ont toujours parlé en langue. Donc, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit en réalité. Maintenant, j'ai expliqué que le parler en langue, c'est ce qu'on appelle en théologie la glossolalie. Le parler en langue doit être clair, il doit être articulé, il doit respecter. Les règles de la science, de la linguistique. de le parler en langue, ce n'est pas un même son qu'on émet tous les jours. Le parler en langue ne s'apprend pas. Quand tu parles en langue, quand on arrive dans une église où il y a mille personnes, normalement, il doit avoir mille langues. Chacun doit avoir sa langue à lui, ou plusieurs langues. Le don de diversité des langues. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce sont des trésors que beaucoup de gens n'ont pas. La majorité de ceux qui peuplent nos églises ne savent même pas qu'il y a quelque chose, quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. D'autres ne savent pas ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. D'autres n'ont jamais jeûné pour que Dieu les baptise dans le Saint-Esprit. Moi, quand j'ai cru, la première des choses que nous avons fait, qu'on nous a enseigné, qu'on nous a inculqué, c'était de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ça fait que je me souviens que j'avais pris trois jours de jeûne à sec pour demander le Saint-Esprit à Dieu et je m'enroulais par terre. Je pleurais comme si on m'avait arraché quelque chose de précieux. Je voulais à tout prix parler en langue. Je disais à Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux parler en langue. J'avais un frère qui était pasteur et... Merci. Qui était pasteur et lui était baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'aimais l'entendre parler en langue. Il parlait très bien en langue. Et un jour, j'ai pris mon cahier et mon bic. Je suis venu m'asseoir à côté de lui. Je lui ai dit, vas-y. Il m'a dit, vas-y quoi Je lui ai dit, parle. J'écris. L'alphabet, c'est quoi Il s'est mis à rire. Il me demande l'alphabet quoi J'ai dit, de ton parler en langue. Il me dit, non, on n'apprend pas. Ça vient sur place. Je vous dis la vérité, j'ai douté. Je n'ai pas cru que. Tu peux te mettre à parler une langue comme ça sans avoir appris ça quelque part. Ça n'a aucun sens pour moi. J'étais nouveau converti, je n'avais pas encore trois mois dans la foi. Et puis j'ai dit que le, le tib -tib, il est trop jaloux. Il ne veut pas que je parle le langue comme lui. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous étions sortis ensemble et on revenait. Nous chantions ce chant. J'aime cet homme de Galilée. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a pardonné mes péchés, il m'a donné le Saint-Esprit. J'aime cet homme, homme de Galilée, de Galilée. J'aime Jésus, de Nazareth. On chante ensemble. Quand nous sommes arrivés à, il a pardonné mes péchés, il m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a dit, arrête, arrête-toi, arrête. Et je l'ai regardé. Il dit que tu mens. Comment tu peux dire que, hein? bon, il a pardonné tes péchés, on comprend. Mais il t'a donné quel Saint-Esprit Tu n'as pas encore le bavé dans le Saint-Esprit. Donc, il m'a dit que, on va chanter ensemble. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a pas donné mes péchés. Maintenant, quand moi j'ai dit, il m'a donné le Saint-Esprit, toi tu fais na. Nanana, nanana, nanana. Maintenant, on se retrouve. J'aime cet homme de Galilée. C'est comme ça qu'on chantait. Donc, on arriva. À... Il a pas donné mes péchés. Lui il disait, il m'a donné le Saint-Esprit. Et moi, na na na. J'aime cet homme de Galilée. Quand on est arrivé à la maison donc, j'ai pris le cahier, le bic, subvenu, je suis venu, je lui dis, apprends-moi ah, alors. Je vais pas parler. Et il m'a mis à rire, il m'a dit non. Celui qui m'explique donc que pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut demander à Dieu. Il faut prendre un temps de retraite, de prière, de jeûne pour chercher la face de Dieu et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait. Quand je l'ai fait. Quand je l'ai fait, par la grâce du Seigneur Jésus Christ, j'ai commencé. J'ai euh, les trois jours que j'avais fait, n'ai pas été baptisé dans le Saint Esprit. C'est lors de la retraite des enfants de l'école du dimanche. Nous avions pris une retraite. À l'époque, nous étions dans ce qu'on appelait à la vraie église la pépinière. Donc, après cela, il fallait faire la, la confession des péchés. Vous savez, là-bas, la confession c'est en public. Tu vas te lever seul, tu confesses, tout le monde écoute. Donc il y a des confessions, des affaires que tu t as dit, que tu dis que ici-là, ça va sortir comment? Tu tapes les calculs. Tu confesses, tu sais les yeux bien. Mais tu sais pas comment on va te voir après. Donc il y a les confessions, tu entendais, tu es obligé d'ouvrir l'œil pour voir qui est en train de faire le genre de confession là. Donc il fallait être vrai. Et j'ai confessé mes péchés complètement. D'autres jouaient. Et c'est là qu'on a commencé donc la prière pour demander à Dieu le baptême dans le Saint-Esprit. Et on a commencé à prier, 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 prier. Il y avait un frère à côté de moi, l'enfant du pasteur, qui était un grand voleur, qu'on appelait Darius. Voici, je n'oublie pas son nom. C'est quelque chose depuis... Ça, c'est 1995. On est en 2001. Ce n'est pas moins de 25 ans ce que je raconte là. Donc, le frère Darius, c'est un frère que vous gênez, vous allez toujours le supprimer en train de manger. C'est un frère très charnel. Et un voleur hors hiérarchie. C'est-à-dire que le frère Darius, lorsque tu oublies ta nourriture, la minute que je suis là, tu reviens à la nourriture, le plat est vide. Il a déjà mangé ça. C'est lui qui était mon voisin le jour où on demandait au baptême dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai entendu Darius parler en langue. Quand Darius a commencé à parler en langue, moi je doutais d'abord, hein, avant qu'il me parle en langue. Quand je l'ai entendu parler en langue, j'ai dit dans mon cœur que maintenant, mon ami, si toi qui voles, tu parles en langue, ce n'est pas moi qui me bats pour être saint devant Dieu. L'esprit de doute m'a quitté. Parfois même, c'est-à-dire que nous subissons certaines attaques du diable parce qu'on lui prête l'attention. Je n'ai plus prié que l'esprit de doute parte. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut parler une langue qu'il n'a pas prise à l'école. Immédiatement, mon cœur s'est ouvert à Dieu. L'esprit de Christ est descendu sur moi. Et je me suis mis à parler en langue. Et c'était comme une école coranique. À l'époque, l'homme de Dieu, papa Nessotoukia, quand il est arrivé en Gaoundal, il disait que notre église est comme une école coranique. Les enfants étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Nous étions nombreux à être remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Donc, il y a les mamans. Il y a maman Marie de Ngaoundal qui est venue à Bertois dernièrement. Je l'ai même présentée en public. Elles étaient au champ. L'Esprit de Christ les a saisies au champ, leur disant Allez à l'église. Quelque chose se passe. Ils sont arrivés à l'église. Ils ont trouvé les enfants à l'école du dimanche. Nous étions en train de parler en langue. On parlait en langue. On parlait en langue. Eux aussi qui venaient, l'essai de Christ est tombé sur eux. Ils ont aussi été bâtis dans le Saint-Esprit. C'est de la confusion à l'Église. C'est comme ça qu'ils été dans le Saint-Esprit. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Vous savez que le christianisme, c'est chose, peut-être, il faut que je prenne le temps pour vous enseigner dessus. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire tout à l'heure. Que le docteur Tchalay Somba était baptisé dans le Saint-Esprit. Non, le docteur Tchalay Somba ne parlait pas en langue, mais était rempli du Saint-Esprit. Ce qui est vrai. Être rempli du Saint-Esprit est différent de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Le baptême dans le Saint-Esprit, lui, ça veut dire que pour savoir qu'on l'a, c'est le parler en langue. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut être rempli de l'esprit. Par exemple, quand vous regardez Simeon, Simeon, qui a consacré Jésus, était rempli du Saint-Esprit. Marie, qui a conçu Jésus, qui a été enceinte de Jésus par le Saint-Esprit, était pleine. L'Esprit, c'est la plénitude de l'Esprit qui a fait ce miracle. Vous voyez Les prophètes, dans l'Ancien Testament, étaient, il y en avait qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient par l'Esprit de Christ. Mais cependant, ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit a un autre but. Vous pouvez être rempli, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Christ. À la vraie église, on faisait souvent la nuance. On disait, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est avec toi. Et lorsque tu es baptisé, il est en toi. Moi, je dis non. Il faut comprendre que c'est deux dimensions différentes. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans parler la langue. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas naître de nouveau sans Saint-Esprit. Parce que... Dans la Trinité, celui qui est responsable de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez Et c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de la rédemption. Et là encore, on a mal compris ça. Voilà, quelqu'un demande le baptême là signifie quoi alors Très bien. Vous voyez, la Bible dit que le Saint-Esprit est le sceau de la rédemption. Et à la vraie Église, à l'époque, on interprétait ça en disant que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit jusqu'à parler en langue, tu ne peux pas être sauvé. Non, ce n'est pas ça en réalité. La vérité, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. Parce que celui qui vous convainc du péché, c'est-à-dire celui qui vous amène à vous convertir. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, aucun homme ne peut naître de nouveau par lui-même. Mais si tu aimes Dieu, comment? Tu es incapable d'abandonner un seul péché. Donc c'est l'Esprit de Christ qui apporte la rédemption. Ah, c'est ça le saut de la rédemption. Le saut de la rédemption, c'est le salut en réalité. L'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel là, cette capacité de fuir le péché et tout ça, c'est l'esprit de Christ qui te vivifie. Donc, lorsque quelqu'un, on dit que quelqu'un peut être rempli du Saint Esprit, quelqu'un peut être rempli du Saint Esprit, mais sans être baptisé dans le Saint Esprit. Et dans l'Ancien Testament, toutes ces personnes étaient remplies du Saint Esprit bien-aimé, étaient remplies du Saint Esprit. L'Esprit de Christ les parlait, leur parlait. Ils écoutaient l'Esprit de Christ. Et on a même tendance à voir que les prophètes de l'ancienne alliance étaient plus attachés au Saint-Esprit que nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Les gars causaient avec l'Esprit de Dieu. Lorsque le prophète Isaïe s'assoit par exemple, le roi arrive et il dit que voilà l'assassin est en train de venir. Il entend les pas. Lorsque le prophète Élisée dit à son fils, et lorsque tu es allé, est-ce que mon esprit n'était pas avec toi Toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui les opérait. Est-ce que vous comprenez Mais le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience qui était réservée uniquement pour la nouvelle alliance. La Bible dit que... Il dit, la loi, nous a, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Ouais. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience réservée uniquement sous la dispensation de l'Église. Vous comprenez Donc, ça fait que tous ceux qui ont vécu avant, ils n'ont pas connu le baptême dans le Saint-Esprit parce que c'était une dispensation pour la nouvelle alliance uniquement. Alors, ceux qui acceptent Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel sont nés de nouveau par l'Esprit de Christ et l'Esprit de Christ est avec eux, parce que c'est lui qui les convainc du péché. C'est-à-dire, c'est lui qui t'amène à refuser de pécher, à te sanctifier. C'est pas la force du Saint Esprit, sa présence en toi. Mais cependant, le baptême dans le Saint Esprit, son rôle est unique. Son rôle, c'est de faire de toi un martyr. C'est ça le but du baptême dans le Saint-Esprit. Faire de toi un martyr. Selon acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins. Maintenant, il faut comprendre une chose. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour les non-croyants. Il est pour les croyants. La première expérience, il faut naître de nouveau. Il faut que Christ entre en toi. Or, oh, ça peut se faire simultanément ou bien en quadrature de phase. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut naître de nouveau maintenant et il est baptisé du sein des Sources en même temps. Mais l'esprit de Christ n'est pas pour les païens. Il est pour ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit Mais le corps est en Christ. Paul dit Mais le corps est en Christ. Donc ça veut dire que l'église est en Christ, pas hors de Christ. Et toutes ces choses aussi se passent en Christ. Donc quand tu nais de nouveau, l'esprit de Christ est en toi. Et la nouvelle naissance te donne le salut. Ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Mais tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas devenu témoin. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu n'es pas devenu témoin. Or, le mot témoin en français ne vous traduira pas bien l'idée. Mais si vous lisez en grec, vous comprendrez mieux. Martus veut dire martyr. Vous deviendrez mes martyrs. Ça veut dire quoi Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le saut du témoignage. Et il est accompagné par les parlants en langue. Le saut du témoignage, le saut des martyrs, c'est quoi C'est le saut des témoins de Christ. Tu peux être un enfant de Dieu sans être témoin de Christ, sans porter le saut du témoignage. So, ceux qui ont le saut du témoignage sur eux n'ont plus peur pour leur vie. Ils sont prêts à mourir pour défendre le témoignage. Ils ont la marque de Dieu pour le témoignage de Dieu. C'est ça que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Voici, les témoins, c'est des martyrs. Et c'est le baptême dans le Saint-Esprit, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez, c'est-à-dire vous ne l'étiez pas, vous deviendrez mes témoins. Donc le baptême dans le Saint-Esprit t'introduit dans la famille des témoins de Dieu. Tandis que la nouvelle naissance t'introduit parmi les rachetés de Dieu. Ceux qui ont le saut de la rédemption, ceux qui sont sauvés. Voilà pourquoi à la vraie Église, aujourd'hui encore, il y a un sérieux problème. Euh, les gens pensent que si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, on ne sera pas sauvé. C'est-à-dire que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Et c'est une polémique doctrinale qui, cependant, est résolue simplement dans les Écritures. Donc, ça veut dire quoi Lorsque vous regardez dans la Bible, vous trouverez que j'ai expliqué que... <laughs> Les apôtres ayant accepté Jésus n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que l'ère de l'Église n'avait pas commencé. Jésus-Christ n'a pas inauguré l'Église. Il a mis le fondement de l'Église. Il en est l'architecte. Écoutez bien. Jésus-Christ a fondé l'Église. Il dit Eis Petros Petra, ecclesia ado autes. Dososoidas kleridas tes basileia ten uranois. o ean duces epites ges estallelemenon en tois uranois. o ean desces epites ges estallelemenon en tois uranois. Tier pierre et j'ai dit que sur si ce roc je bâtirai mon église. Donc Jésus a porté le fondement de l'église. Le Saint Esprit lui a donné naissance à l'église avec le baptême, avec l'effusion du Saint Esprit, le baptême dans le Saint Esprit, dans la chambre haute avec les 120 qui étaient rassemblés. C'est ce jour que l'Église est née, avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ouais, donc les apôtres ne pouvaient pas parler en langue avant la naissance de l'Église, parce que c'était une dispensation qui devait être manifestée avec l'Église, et cette Église devait être née, devait naître du sacrifice de Christ sur la croix. Il fallait que le sang de Christ coulât sur la croix. C'est ce sacrifice sur la croix qui donne naissance à l'Église de Jésus-Christ, voyez. Et Jésus s'en va et un autre consolateur vient. Il dit Alos Paracletos, un autre consolateur. Alos veut dire quelqu'un de la même substance, la même nature, le même rang que moi, donc Dieu. Donc Jésus dit Dieu Esprit viendra. Dieu, le Saint Esprit viendra. Alos Paracletos, en français on dit un autre consolateur. On ne comprend pas bien, mais le grec explique clairement. Allos paracletos, ça veut dire un autre paraclet ou paracletos, comme moi. Allos veut dire quelqu'un avec qui votre ton égal. Vous avez la même nature, vous avez la même substance, vous avez la même essence. Donc, il voulait tout simplement dire pour celui qui comprend en grec que Dieu, le Saint-Esprit, viendra me remplacer. Et donc, c'est Dieu le Saint-Esprit qui va donc diriger l'église jusqu'au retour de Jésus aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Vous comprenez? Jésus-Christ est donc venu fonder L'Église. Il est venu payer le prix pour que l'Église naisse. Et il en a laissé la fondation. Le Saint-Esprit est venu édifier l'Église sur la fondation que Jésus-Christ a donnée. Or, il y a des choses qui ne pouvaient se passer que dans l'Église, pas sur la fondation. C'est pour ça que les apôtres ne pouvaient pas parler en langue avant l'effusion du Saint-Esprit, avant l'inauguration de l'Église, parce que c'était une dispensation de la nouvelle alliance. Jésus-Christ, avant de partir, il a mené le sang de la nouvelle alliance qui a donné naissance à l'Église, mais Jésus-Christ est venu clôturer l'ancienne alliance. L'Église commence avec le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ et les apôtres, dont les apôtres ont commencé à masser avec Jésus dans l'ancienne alliance. Jésus a clôturé. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Accomplir veut dire, je suis venu fermer. Je suis venu clôturer. Je suis venu conclure. Jésus-Christ a conclu la loi. Lui-même n'est pas entré dans l'aide de l'Église. Il est parti. Et les apôtres sont donc sortis. Ils sont partis de la loi. Où ils ont marché avec Jésus pendant trois ans et demi pour entrer dans la nouvelle alliance. Et donc, le baptême dans le Saint-Esprit se fait dans la nouvelle alliance par ceux qui sont déjà nés de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. De Dieu. Voyez. Donc, quand vous lisez maintenant dans Luc chapitre 10, à partir du verset 16, la Bible dit, le 70, revient et il dit, Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Jésus leur répondit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous étaient soumis. Car moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Lisez-le, Luc 16, 19. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Écrit dans le livre de la vie éternelle. Mais ils étaient sauvés. Vous savez que dans Apocalypse 20, à partir de verset 11, la Bible dit quelque part là-bas, Et tout ce dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie. puis j'étais dans l'étang temps ardent de feu. C'est la seconde mort, l'étang temps ardent de feu. Donc quand ton nom est déjà écrit dans le livre de la vie éternelle, tu es sauvé. Donc c'est là que tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie éternelle ne participeront pas au jugement de la condamnation. Non. Ce sera la, le jugement le jugement des, des, des couronnes, Ça ne sera pas le, le jugement de Béma, le jugement de Béma ou bien le jugement du grand trône blanc d'Apocalypse chapitre 20, verset 11. Donc, vous verrez donc que comme les anciens de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, qui en est le dernier prophète, ne pouvaient pas parler en langue, les apôtres eux aussi ne pouvaient pas parler en langue tant qu'ils étaient hors de l'Église. Hors de la dispensation de l'Église. C'était une grâce réservée à ceux. De la dispensation de l'église. C'est pour ça que les apôtres ne pouvaient pas être baptisés dans le Saint-Esprit avant que le Saint-Esprit ne vienne. Mais Jésus avait soufflé sur eux en disant recevez l'Esprit. C'était en attente. Donc ça fait que quand l'Esprit de Christ est arrivé, ils, ont, ils sont nés de nouveau, qui est une expérience différente, qui est pour le salut, et ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit pour devenir des témoins de Christ. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit fait de toi un témoin. De Christian, dans la catégorie des témoins, c'est une élévation. Et la catégorie des témoins, automatiquement, vous le savez, vous donne droit à certaines choses, vous donne, ça veut dire une carte d'accès, vous donne une accréditation à des dimensions où ceux qui ne sont pas témoins ne peuvent pas parvenir. Et c'est donc là que la différence entre celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit et celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit se fait ressentir. Maintenant, l'Esprit de Christ étant venu, il a apporté les dons de l'esprit. Vous comprenez donc que la manifestation des dons de l'esprit se passe dans le baptême, dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi ça veut dire qu'il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, dans l'air de l'Esprit, pour profiter maintenant de certains prérogatives que l'Esprit de Christ donne aux témoins. Mais cependant, on n'a pas besoin, par exemple, le don de guérison est un don qui est dans la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de l'Église. Est-ce que vous comprenez Mais cependant, ce n'est pas que par le don de guérison qu'on peut guérir. Non On ne peut pas guérir seulement les gens par le don de guérison. La foi guérit. Et si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui prie pour lui en loyant au nom du Seigneur, la prière fervente du juste, Guérira le malade, et s'il a commis quelques péchés, lui seront pardonnés. C'est pas un don de guérison là-bas, c'est la foi. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, peut avoir la foi, et au nom de la foi, rien possible à celui qui croit. Il peut guérir les gens. Ça veut pas dire que tu as le don de guérison. La différence, donc, entre le don de guérison et celui qui a la foi de guérir, la foi pour guérir, c'est quoi? C'est que le don de guérison est illimité. Tandis que le, la, la foi pour guérir est limitée. Le don de guérison est une capacité surnaturelle. C'est un charisme que Dieu te donne. Donc c'est un dépôt en toi qui te rend en tout temps capable d'opérer des guérisons en toutes circonstances. Tandis que celui qui guérit par sa foi, il y a des cas où il va douter. Il y a des cas qui vont lui poser quand même quelques problèmes de conscience. Vous comprenez? Vous je me souviens que quand j'étais à l'école de théologie, j'avais dit qu'il ne avait pas mettre l'homme qui cale ici. Et on m'attend quelque part. Quand j'étais au séminaire de théologie, je suis sorti là-bas et un pasteur m'a invité dans son église. Je suis allé dans son église et puis. <coughs> quand je suis arrivé là-bas, j'ai pressé votre autorité. On était deux invités. Lorsque. Le, le, le En fait, comme j'étais mince, maigre, maigrichon, on m'a devant. Et il y avait un deuxième pasteur, le deuxième il était costaud, bien baraqué là, avec la barbe et tout. Moi, je n'avais même pas encore la barbe. La barbe, c'est là, je pense que ça va pas longtemps que Dieu m'en a donné. Et c'est après beaucoup de jeûnes de prière. Voilà pourquoi, quand j'ai dans un salon de coiffure, la première recommandation, ne touche pas ma barbe. Parce que je ne sais pas quel prix j'ai payé. Vous en avez tellement assez. Donc, quand j'ai prêché, le deuxième de Dieu, quand il est arrivé, il a dit Waouh! J'étais sous-estimé. Quand j'ai vu ta corpulence là, j'ai dit Waouh! Mais là, le don de Dieu est sur toi. Et il y avait un frère paralysé dans la salle. Le pasteur de la maison a prié, prié, prié. Le frère ne marchait pas. Quand il prie, il me guette. Je fais comme si je ne vois pas. Mes frères. Vous êtes là, vous riez parce que vous, vous n'avez pas vu à quoi ressemblait les pieds du gars là. C'est-à-dire que quand tu regardes ces petites tu tapes l'équation que bon, Dieu peut guérir, c'est vrai, mais la manière dont le pied s'est tordu, ça va faire comment pour se redresser Certainement, c'est-à-dire les os sont calés, désagrégés à l'intérieur là. Je, je crois, mais vraiment, ça va faire comment Les os, si les os n'étaient pas au moins cassés, cassés, concassés comme je vois là, j'allais croire. On va prier directement. Mais le genre que le pied, si mes yeux me voient, donc, ça va faire comment Pousser, redresser, redresser, redevenir droit. Donc, tu vois d'abord, ça te pose un problème. J'ai un an de foi. C'est ça que j'ai dit que la guérison par la foi a des limites. Mais ceux qui ont le don de guérison, ils ne doutent pas. Or, celui qui guérit par la foi en Christ, il va lutter avec le doute à un certain moment. Il y a des situations qui vont euh, dépasser son entendement. Donc, le pasteur prie, il me guette, je jette les yeux comme ça, fais comme s'il ne va pas. Il prie, il prie. Il dit Lève-toi, le frère dit que je ne peux pas. Il me guette, je jette les yeux comme ça là. J'ai comme ça dans mon cœur. Que, quelqu'un vient même ici là, tu fais honte à quelqu'un. Toi, tu viens pour prêcher, il ne m'avertit même pas que. S'il m'avait dit qu'il y avait un paralysie, moi je n'avais pas venu. Tu viens, toi, tu veux humilier quelqu'un comme ça là, Il ne t'ai rien fait. Ah ah Après il, ah, il prie, il prie, il prie, il vient à côté de moi, il me regarde. Avec la honte, je me lève. Quand je me lève, toute l'église a Oh, Les gens Je dis dans mon cœur que vous ne savez pas dans quelle situation. Si je pouvais sauter, disparaître, je disparaissais. Mais bien aimé, le jardin de pied que le gars avait, tordu, ou c'était le cancer des pieds, ou c'était quoi? Costaud, tordu, compliqué. J'ai imposé les mains, j'ai commandé, je priais avec autorité, mais avec doute aussi. Et dans mon cœur, moi-même, si le gars se marche ici là, et c'est le premier à fuir. Aïe T'as même tu avais le jardin de pied ici. Non, 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 non. Dieu lui-même va faire comment pour redresser le pied ici. Donc j'essaie d'imaginer comment Dieu va faire. C'est ça la difficulté avec celui qui guérit par sa propre foi. Or, oh, celui qui guérit par le don de foi, le don de foi, lorsqu'il est déposé en quelqu'un, il enlève le doute. Naturellement, tu ne doutes plus. Tu ne connais pas le doute. Ça dit, tu n'as pas de peur, il n'y a pas de frayeur, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'acatalepsie, il n'y a rien de tout cela, il n'y a pas de testifestation, il n'y a rien. Le don de guérison te dégage du doute. Tu ne connais pas le doute, c'est un don de guérison. Le don de guérison vient avec le don de foi. Comprenez Tandis que celui, quand j'ai prié, j'ordonne, je t'ordonne, je je au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais je doutais. Moi, j'ai quitté encore, attends. Non. As même, tu es courageux. as même, tu vois, son, tu as même vu le pied ici. il va marcher quand il va mettre le pied là par terre comment? Mais c'est dit marche. Il s'est levé. Les gars, oh Je dis marche. Il a fait un pas, deux pas, trois pas. Je viens. Il me dit que pardon pasteur, je vais vous dire quelque chose à l'oreille. Il dit oui, y a quoi mon frère? Il me met l'oreille, la bouche à l'oreille. Il me dit pardon pardon, je vais mourir. La douleur va me tuer. <laughs> je vais m'asseoir. Le peu de soupçon de foi que j'avais, c'est parti alors finalement. Tout est fini. J'ai dit au pasteur que, pardon, je serai en retard au séminaire. On enfin, va me punir à l'école, il faut que ah je J'ai fui. Mais l'enveloppe, je n'ai pas pris le jour. <laughs> J'ai marché à pied. Ouais. C'est un peu ça. Donc, je pense que je vais prendre le temps pour enseigner sur les, le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Dans tous les cas, le domaine de l'Église, c'est du Saint-Esprit pour permettre à plusieurs personnes de comprendre. Voyez. Oui. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, on peut être un homme de Dieu, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, et on opère des miracles, oui. On guérit des malades. Oui, au nom de Jésus, si on a la foi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le simple fait que tu crois au nom de Jésus, il y a une catégorie de miracles. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Là, tu guéris. Par l'alliance, la nouvelle naissance. Ça, c'est la première motivation. Je veux dire, la première motif, le premier motif. Hein, le premier droit de guérison que chaque croyant a. Le premier droit de guérison, c'est l'alliance, la guérison par la nouvelle naissance. Quiconque est né de nouveau, impose les mains malades et les malades sont guéris. Mais c'est une provision qui est périssable. Elle est limitée. C'est une provision limitée. La deuxième provision, c'est la foi. Rien n'est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, tu peux prier ce malade et guérir. Voilà les deux raisons pour lesquelles quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui n'a pas le don de guérison, peut guérir les gens. C'est ça la réalité. Mais les dons de guérison, lui, n'a rien à voir avec... Euh, euh, l'alliance de guérison par la nouvelle naissance ou bien la guérison par la foi. Non, c'est un dépôt, c'est un charisme, c'est un ministère, c'est une puissance que Dieu met en toi et cette puissance est accompagnée avec le don de la foi. Parce que nous allons voir les dons ici, peut-être demain je vais revenir sur les dons. Est-ce que vous savez qu'il y a un don qu'on appelle le don de la foi Il y a la foi simple que nous tous nous avons, mais il y a le don de la foi. Celui qui a le don de la foi, laissez-moi vous expliquer ça demain. Demain, c'est samedi, non Faisons un spécial direct, les amoureux du Saint-Esprit. Demain, un spécial direct. Vous voyez Donc, celui qui a le don de guérison, ça veut dire que c'est une puissance qui est en lui qui peut terrasser n'importe quel genre de maladie. Et une personne que j'ai vue en Afrique, dans l'Église, dans le monde, exercer le don de guérison dans sa plénitude, il y a Papa Tibi Joshua. Et il y a pasteur Chris. Voilà les deux que je connais personnellement qui ont exercé ce qu'on appelle le don de guérir. C'est un don. Ça veut dire que quelqu'un qui a le don de guérison, tu peux être malade. Il fait seulement comme ça. Sois guéri. Et tu es guéri. Il peut seulement te dire que viens. Fais. Tu fais. Il dit c'est bon. Va. Tu es libre. Et la maladie part. Donc, les maladies sont soumises à cette personne. Toute espèce de maladie lui obéisse. Dieu lui a donné autorité sur les maladies. C'est un don. Les maladies le respectent. C'est ça le don. C'est-à-dire que ses yeux ne s'arrêtent pas sur les cas, la difficulté des cas, la complexité des cas. Non, non, non. Pour lui, il n'y a rien de compliqué. C'est un don. don... Ça passe seulement. C'est facile. C'est trop facile. Ouais. Parce que c'est un don qui est exercé en lui. C'est l'important de chercher. Et quand tu as le don de guérison. On grandit dans les dons, l'exercice des dons. Tu veux commencer là, tu as des dons là, tu guéris un peu, un peu, un peu, tu grandis, tu vas plus loin. On exerce les dons. Donc voilà, mes amis, vraiment, on aimerait rester jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir. Si vous avez des questions, posez vos questions sur WhatsApp. Je vais les lire demain. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. Par la grâce du Seigneur Jésus, euh, je veux vous quitter. Rendez-vous tout à l'heure. Hmm? Tout à l'heure à partir de 16h pour ceux qui sont à Yaoundé avec ta bouteille d'eau. Ça sera très fort. Ne rate pas ce culte. Si tu rates ce culte, tu n'aimes pas ta propre vie. Et samedi, le 2 octobre, nous avons la rencontre de l'église à Reba. Les quatre forgerons seront présents. Dieu se manifestera de manière puissante. Ce dimanche, nous avons un culte familial à Yaoundé et à Douala. Dans tous les cas, que la main de Dieu soit sur toi. Samedi, midi, heure locale, heure du Cameroun. Connectons-nous à midi. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis chacun de nous et accorde-nous de passer une très belle journée en compagnie du Saint-Esprit. Ceux qui veulent le don de parler en langue, ils veulent le don de guérison, de prophétie, cette heure. Seigneur, exauce nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.